berceau, y'a les perroquets bleus qui boivent du lait de coco. Eh oh, eh oh, eh oh. Bon, nous voilà aujourd'hui en présence de Monsieur Flo BP sur cet épisode 2 du Feed the True Luke saison 2. Bienvenue. Popito va record du kill du Wizard Boss avec les armes Tinker. Ouais, ma gueule. On est beaucoup. J'ai pas regardé, ça n'était beaucoup sur le. Sur le serveur. Sachant que, bon, ne vous moquez pas, j'ai toujours pas récupéré ma voix pour ceux qui viennent sur les lives. Vous avez pris l'habitude de m'écouter partir en couille. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça a été énoncé, vous l'avez vu dans le chat du jeu. On va faire du Wither pour récupérer des Nether Stars, pour pouvoir faire des crafts et tout. Des crafts de foufou. Voilà. Pour le kiff. Donc, on a besoin de quoi? Vous avez vu dans la petite intro que du coup, on a fait des flèches un peu spéciales, des arcs un peu spéciaux, et vas-y les poules, vous me saoulez avec vos œufs là, barrez-vous, sans déconner, j'en ai marre de vos œufs, de vos plumes à la con, là, aussi. Donc, on a fait... Je me pousse un peu parce qu'il y a les villageois qui font masse de bruit. Voilà. Je vous explique un peu ce qu'on a fait. J'ouvre mon petit inventaire, j'ai pas pris mes flèches, tout va bien. Alors, on retourne chercher les flèches. Bref. Là, vous allez me dire, mais si, t'as des flèches dans ton inventaire, Poppy, n'importe quoi. C'est pas les bonnes. Alors, tu te calmes. Merci. Alors, on récupère nos petites flèches qui sont bien sympathiques, de type... Sympathisante. Voilà. Donc, on a des petites flèches sympas. Ça y est, j'ai la voix qui part en couille. Une minute de record, Poppy, elle a la voix qui part en couille. Tout le monde m'a entendu déglutir de manière gutturale. Donc, dans notre inventaire, on a plusieurs types de flèches, comme vous pouvez le voir. On a les flèches de base, qui sont ici, vous les connaissez, elles se stackent par 64, elles sont sympas. Et il y a les flèches de Tinker, qui, elles, se stackent par 3. C'est un petit peu la loose. Mais, à mon humble avis, parce que je les ai pas encore trop testées sur des mobs, elles dépotent grave. Genre, elle dépote sa mémé, comme dirait un grand homme, que nous connaissons tous. Quand je dis que c'est un grand homme, je parle évidemment de sa taille, parce que, bon... On est d'accord qu'Alex, niveau grandeur, c'est dans la taille. Oh, sa taille. Donc, de base, bah, vous voyez, c'est des flèches, voilà. Mais vous pouvez leur ajouter des effets dessus, ce que vous ne pouvez pas faire avec des flèches Minecraft classiques. Mais vous pouvez le faire avec des flèches Tinker. En plus, vous pouvez leur donner un nom, et ça, c'est rigolo. Alors, comment on fait pour leur mettre ces effets-là? Eh bien, comme avec les outils, tout simplement, vous mettez votre outil vierge. Désolé, Flo, si des fois tu m'entends plus et que j'appuie plus sur le push to talk, je suis désolé. C'est que j'oublie. Vous mettez votre outil vierge dans la table qui est ici, vous mettez votre outil. Voilà, par exemple, là, je vais mettre mes flèches. Et faut que j'aille mettre des modifiers. Vous voyez, ils me disent, tala, modifier remaining 3. C'est très bien, c'est cool. Tiens, j'avais pas vu ces petites choses-là, faudrait que je regarde après. Donc pour mettre du feu, eh ben, on va récupérer de la poudre de blaze. Et pour mettre du lifesteal, on va récupérer des os nécrotiques. Hop. On va lui dire, alors ça c'est bien relou, parce que la blaze powder ne se stack pas. Et oui mes bons amis, c'est bien relou. Donc on va tous leur mettre le nécrotique. Vous voyez ce qui est bien, c'est qu'il me fait les 3. Avec un seul nécrotique, ça me fait les 3 flèches. Donc c'est un peu plus économe quand même, que si j'avais juste une flèche par une flèche. Enfin vous voyez là, faut que je monte jusqu'à 25, comme ça vous l'avez vu dans l'intro, c'est un peu relou. Enfin, je pense qu'elles font quand même pas mal derrière. Les flèches. T'es pas d'accord? Moi, je suis trop d'accord. Je sais pas, ça sera la surprise. On va voir. Elles foutent le feu. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, elles ont lifesteal. Et ça, c'est d'autant plus cool. Je trouve. Voilà. Je sais pas combien de stacks je vais pouvoir faire. Je t'avais déjà filé 3 stacks, je crois. Si je dis pas de conneries. Oui. Attends, est-ce que je peux en remettre ou pas? Non, ça passe au rang supérieur. Donc on va se refaire un stack supplémentaire chacun. Et puis on va quand même se prendre des flèches classiques avec. Au cas où.
on en est pas assez. J'arrive pas trop à me rendre compte des dégâts qu'on va lui faire, en fait. Ça se trouve, on va lui défoncer sa race. Ouais, une flash, il est mort. Ça se trouve, on va rien lui faire du tout et on va repartir la queue entre les pattes en mode « Mayday, Mayday !» Oui, j'ai peur. Ça fait mal. Ah, y'a Tado qui ramène son cul sur le... Sur le... Sur le serveur. Sur le serveur. Oui, merci, Poppy. Éloquence, tout ça. Ah, ce bruit. Et puis ça, c'est relou. On pourrait pas automatiser ce truc-là, franchement. Y'a pas moyen. Automatiser. La table... La toolstation. Pas moyen d'automatiser son utilisation, parce que... En fait, si tu veux, tu vois, quand tu veux mettre, par exemple, de la durabilité... Non, ouais, non, je vais pas prendre cet exemple-là. Quand tu veux mettre de la luck... Oui. Eh bah, tu vas juste passer... Je sais pas si celles-ci, elles sont finies. Tu vas juste passer des blocs de lapis. Oui. Et pour finir, tu mettras des poudres. Ou tu mettras du lapis tout court, pardon. Tu mettras du lapis tout court. Pour terminer d'aller jusqu'au 150 ouais, ou 50. Ça. Voilà. Et bah... Avec la blaze border... La blaze border, tu peux pas le faire. Puisque la poudre ne se stack pas. Si. Non, se stack par 64. Oui, mais je veux dire, elle se compresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, oui. Donc il faut faire poudre par poudre. Tu vois? Oui. Tu vois la relouterie du truc ou pas? Oui. Je vais regarder si dans ma tour à mob il me reste des flèches. Je préfère en emmener plusieurs. Oui, là vous êtes tous en train de crier. Mais tes armes elles ont des gueules cheloues, quand est-ce que tu nous expliques? Bah une petite seconde. Chaque chose en son temps. J'ai envie de te dire, tu détends ton slip. Et tu verras, la vie ira beaucoup mieux quand le slip est détendu. Ils sont pressés toujours. Ouais, t'as vu? Tout le temps, ils sont tout le temps pressés. Franchement. Moi, je suis tout le temps obligée de travailler comme une dingo. Eux, ils sont tout le temps à fond les ballons. Par contre, je suis pas trop sûre de l'utilité de mes ailes et de mes bottes avec le Wither. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser dans les quoi. On va les sauver. On va pas les détruire. Et puis, on va prendre, je sais pas, il y a des bottes en style là, qui sont pas trop mortes. Il y a un legging protection 3 qui a pas, qui est mi-life. Ouais, c'est pas grave. Aglou, s'il te plaît, le petit Stormtrooper. Ah, tiens. Merci. Ah, c'est un arbre. Attention. Ça fait mal. Les arbres en pleine face. Faut faire attention, ça picote. Alors, dans l'idée, déjà, on va enlever ça. Parce qu'on veut pas le perdre. Est-ce que j'ai quelque chose sur moi qui craint? Genre mes gants hâte, qui vont pas me spécialement servir contre un Wither. Je pense que là-dessus, mon petit Flo, on est d'accord. Hein. Complètement. Ça va pas, voilà. Par contre, je vais peut-être garder ma pioche, sait-on jamais, qu'on ait besoin de creuser quelque chose, parce que voyez-vous, juste avant de lancer le record, on était là, mais comment que c'est qu'on va le tuer, Sweezer? Où est-ce qu'on le tue? Ah, c'est une bonne question. Où est-ce qu'on tue un Wither? Alors, on a eu plusieurs idées. Au départ, on s'est dit, ouais, on va faire ça en mode modé et tout. En mode, ouais, on va rester sur les modes et tout, on va leur montrer comment c'est les modes. Ah! Oh oui, je sais ce que je vais faire, Flo, avant de partir. Avant de partir de chez moi, avant de parler de où on le fait, je vais me faire des canisters. Parce que j'en ai pas pour moi. Mais le teasing, quoi. Genre, la meuf, elle en a vendu à tout le monde, mais elle en a pas pour elle-même. Alors, comment on fait des canisters? Bah, écoute, j'allais te le dire. Alors, tu vois, tu prends de l'aluminium. Ah, t'en as pas assez, Pop? Ouais, je sais. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller en ramasser. Jinta, je suis en train de record. Lui, il est en mode tu veux voir ma bite. Non, mais d'accord. Allez, on y va. Allez, Jinta. Allez. Allez, Jinta, montre-nous tes fesses. Allez, Jinta, montre-nous ton. Oui. Ton sexe, évidemment. C'est exactement ce que je voulais dire. Bien joué. Il nous reste de l'aluminium par ici. C'est comme ça qu'on dit aluminium en français. On dit aluminium. Comme ça. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le truc que je viens de faire, en fait, ce sont les buissons de Tinker's Construct qui te permettent de ramasser des baies
de métaux, ça peut complètement péter, c'est complètement pas possible dans la vraie vie. Et avec ces petites baies de métaux, hein, toujours, restons toujours dans une logique pure et dure, tu fais des lingots. Voilà. C'est toujours parfaitement logique, tout va bien. Donc avec ces petits lingots, ce qu'on va faire, je vous montre. On les met par 4. Ça nous donne des canisters vides. Et ces canisters, vous allez voir que on va les remplir. Alors, comment qu'on les remplit? On met des J-Well d'Apple. Comment on fait des J-Well d'Apple? Et c'est en plusieurs étapes, vous avez vu. Il nous faut du diams. Mais tu vas te calmer, Gérard, avec les portes, là tu me saoules. Des diams, des pommes. On les met dans la petite table de craft. On dit à la table de craft, bonjour, pour avoir une pomme bleue comme ça, je voudrais que tu m'entoures mes pommes avec... combien la canister 2, ben voilà. Je voudrais que tu m'entoures mes pommes avec des diams et ça te donne une petite pomme bleue. C'est trop stylé. Alors on va en faire plusieurs, je vais essayer de faire plusieurs canisters avant de partir. Ça a été ta journée, mon petit Flo? Oui, c'était parfait. C'était enrichissant, cette journée de travail intense. D'un point de vue pécunier, oui, c'était enrichissant. d'un point de vue... D'accord. D'un point de vue pécunier. Je situe. Alors, on va se faire vite fait des petits lingots d'alu. Mano. À la mano. Ah, mais en fait, je suis con. Ouais, la technique. À chaque fois, je me fais chier à faire des lingots, alors que je peux faire des blocs et les passer en lingots. Ouais. Et voilà, hein. C'est ça qu'on fait. Hein. C'est comme ça qu'on fait pour aller plus vite. C'est vrai, monsieur? Hein, c'est vrai, monsieur. Oui, c'est vrai. Oui, ouais. On en fait plein, comme ça. Ça, tu fais tes deux cubes, là, tu vois. Regardez, ils m'ont encore sorti des plumes de partout, mais... Eh, les poulets, je vous jure, je vous mets dans une usine à poulets, on va plus en parler, je vais récupérer vos œufs, vos flèches, vos plumes, vos flèches, bien sûr. Oui. Les poulets, ça fait les flèches de poulet. Direct, cache pistache, les flèches de poulet. Voilà, voilà... Et oui, voilà. Il faut pas que tu fasses ce genre de choses avec ta gorge. Il faut pas. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. C'est quand je fais comme ça, ça me gratte un peu. Donc on a un peu trop de canisters, mais on va en faire. Mais casse-toi ! Voilà. Il nous faut des cœurs. Et il nous faut. Des necrotic bones, oui, encore eux, ils servent à tout. C'est un peu le truc magique avec ce mode. Alors, pour faire des cœurs supplémentaires, on met le canister vide, le petit cœur, les petites pommes qu'on a faites avec les diams, et les necrotic bones, et ça nous donne un red heart canister. Alors, à quoi ça sert? Vous allez me dire, c'est cool, tu nous as montré un procédé, on sait pas à quoi ça sert. Bah, merci Poppy, bah, ça fait plaisir. Je suis désolée. Je vais te montrer tout de suite. Franchement, je vais pas assez vite. Franchement, je suis trop désolée. Donc, ce qu'on va faire, Poppy. Ouais, mais grave. On va poser les cœurs. On va mettre les canisters vides là, voilà. Les diams, on les range aussi, parce qu'on va pas se les trimballer toute la vie. Et ça, on les pose. Et là, je vais ouvrir mon inventaire. Ça, c'est mon inventaire de base. Donc, vous voyez, hein, toujours avec l'armure, voilà. Mais je peux l'agrandir, soit en montrant tout mon équipement de cette manière. Donc là, vous voyez, je peux porter un collier, une cape, des ailes, un sac à dos. Ça, je sais pas ce que c'est censé être. Je sais pas. Un animal. Une patate. Je sais pas. Une ceinture. Ou une ceinture. Je sais pas. Ça, c'est les gants. Ça, c'est un bracelet, je pense. Ça, c'est les bagues. Ça, c'est un titre. Voilà. Donc soit j'ouvre cette... titre, très 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 exactement. Soit j'ouvre par Bubbles, coucou Bubbles, non c'est pas ce que je voulais faire, soit j'ouvre par l'armure en haut à droite, là, et ici, on me dit, hey, regarde, tu peux mettre des petits trucs qui ont la même forme, tu les mets dedans, et là, magie et vos idées ont du génie, vous allez voir que ma barre de cœur, là, et bah, oh, regardez, ça monte tout doucement, ma foi, oh, j'ai l'impression d'être Ursula dans la petite sirène. Ça ne te coûtera que ta voix. Oh, pauvre amant perlicio. Oh, mal de tout. Regardez. Donc là, j'ai des cœurs supplémentaires qui sont en train de monter tranquillou, bilou, à la cool, à la bing. Et ça va me permettre de prendre peut-être un peu moins cher.
face à un Wither, par exemple. Par exemple. Je sais pas ce que t'en penses, Flo, mais par exemple, un Wither. Bah, un exemple comme ça au hasard. Au pif. On va ranger nos lingots qui servent à rien, parce que Poppy, elle en a un peu marre du bordel. Regardez pas. Regardez pas, je vous montrerai après. On a avancé un peu sur le jardin. Vous regardez pas, hein. Ah bah, j'ai plus mes bottes pour monter les blocs. Ah bah oui, ça marche moins bien. Donc j'ai mes canisters, j'ai mes flèches, j'ai mon arc complètement pété. Alors je vous montre ce qui fait mon arc un peu. Alors comme il est en alumite de base, on a vu ça hein, dans le premier épisode. L'alumite c'est un alliage entre on va voir si Flo se rappelle, entre l'aluminium. Eh oui. Entre l'aluminium et l'obsidienne. Et le fer, c'est ça. Eh oui. Et cet alliage nous permet d'avoir ce reinforced 2. Ce qui veut dire que l'arc a une durabilité assez sympa. J'ai rajouté dessus la mossy, les ball of moss qu'on fait avec 9 mossy, peu importe ce que c'est, des stone brick. À partir du moment où c'est de la mossy, ça se colle dessus, c'est un modifier. Ça gratouille la gorge. Ok, j'ai un truc en métal qui vient de tomber, je sais pas où. Désolé. Ah, mais j'ai un peu craché sur la main, c'était dégueulasse. C'est très classe. On a rajouté de la luck aussi sur l'arc. Je sais pas pourquoi on a fait ça, mais on l'a fait. Et surtout, on a rajouté du knockback. Alors, le knockback, je suis pas persuadée que ce soit hyper, hyper efficace. Attendez, faut absolument que je tousse. Je suis désolée. Je vais couper 2 secondes de rico. Et re à tous, désolé, on n'est plus au même endroit parce que j'ai bougé, j'ai oublié de relancer les records et on était parti en mode roue libre avec le « Oui, alors, si, cela !» Donc on s'est un petit peu déplacé. Qu'est-ce que vous avez manqué? Vous avez manqué que j'ai dit que j'avais pas... que j'avais été sympa avec Flo et que je n'avais pas fait partager ma quinte de tout. Et sinon, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On était en train de parler de... C'est très bien de vouloir faire des withers, mais où est-ce qu'on les fait? Alors dans l'idée... Ce que je disais de base, c'est qu'à la base on voulait continuer en mode allez, on est sur du modé, on va faire du modé. Donc on était parti pour faire de la compact machine. Alors pour ceux qui connaissent pas la compact machine, c'est comme une petite dimension que vous créez vous-même, qui vous permet de entre guillemets si vous voulez, moins tirer sur le serveur quand vous avez des machines qui font de l'ARF. L'ARF c'est l'électricité, c'est comme ça qu'on appelle ça dans Minecraft pour ceux qui débarquent un peu. Ça vous permet d'éviter, si vous voulez, de trop pomper sur le serve. Alors une compact machine, déjà, ça a plusieurs inconvénients. Ça a des avantages. L'avantage, c'est que voilà, ça tire moins sur le serveur quand vous mettez vos machines dedans. C'est une dimension différente. Vous avez quand même pas mal de place dedans. Premier désavantage, c'est que le craft est un petit peu cher. Voilà, vous voyez, il faut passer par plein de choses. Pour faire la compact machine en obsidienne, il vous faut 8 blocs d'obsidienne. Il vous faut un World Resizing Cube. Pour faire le Resizing Cube, il vous faut du Diams et 6 World Resizing Interface. Pour faire une interface, il vous faut 4 lingots d'iron, 2 redstone, 1 gold, un Atom Shrinking Module, un Atom Enlarging Module. Et ça vous coûte encore des trucs. Donc c'est pas que c'est relativement cher, mais... c'est relativement long, ça passe par plein d'étapes, c'est un peu relou. Deuxième désavantage, c'est que pour rentrer dans une compact machine, il faut ce qu'on appelle nous une Game Boy. Et ce qui s'appelle communément un Personal Shrinking Device. Et ça, le truc, c'est que quand tu meurs dans la compact machine, bah ça reste dedans, avec ta tombe. Et pour retourner le chercher, eh ben c'est pas très pratique. D'ailleurs, Flo le confirme, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il l'a testé, voilà. Et c'était pas une super idée. Donc finalement, on s'est dit, peut-être que pour le coup, on va pas le faire en version modée. Peut-être que pour le coup, on peut peut-être le faire dans l'Overworld. Puisqu'on n'a pas le Mob Griffin. Le Mob Griffin qui est l'option qui vous permet de décider si oui ou non les mobs vont faire des dégâts sur les blocs en explosant, en vous tirant dessus, etc. Genre, creeper qui explose, ça fait pas de trou dans le sol.
Gast qui vous tire dessus. Ça fait brûler, mais ça fait pas de trou. Wither, petite pop, qui vous tire dessus, qui est tout ce que vous voulez. Ça fait pas des trous non plus partout. Donc l'idée de Flo, bah, c'était soit de le faire dans le Nether, soit de le faire dans l'Overworld. De faire une cage, et nous de rester un petit peu à l'extérieur de la cage, en mode comme des bâtards, tu vois. En mode et de canarder, jusqu'à ce qu'on puisse plus lui tirer dessus et qu'il faille passer au cac. Et à ce moment-là, au cac, on lui bourrine sa race avec nos cleavers. Nos cleavers qui sont améliorés elles aussi, puisqu'elles sont réinforcées 3, auto-repair, chance, sharpness et vol de vie. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, ah bon. Ça fait plaisir. Ok, super. C'est grave. Enthousiasme. Voilà, du coup, je suis partie de partout, mais j'ai oublié de prendre les têtes de Wither que j'avais chez moi pour te les ramener. Oui, donc, j'ai déjà un stock à mon côté aussi. Oui, mais je veux mettre la main à la pâte, ok? Oui. Alors, c'est pour montrer que j'ai pas chômé non plus, hein. S'il te plaît, respect. Respect, je te tousse dessus. Allez, bim. J'ai envie de tousser très très fort, mais je me retiens, je suis sympathique. On sait juste que je parle un peu beaucoup, là, petit sweet. Après, je vais parler un petit peu moins parce qu'on va se taper un peu plus. Mais pour le coup, ouais, là je suis en train un petit peu de me casser la voix. Casser la voix pour vous enregistrer ce petit passage absolument délicieux, le chant, la musique. Oh mon dieu, j'ai regardé mes pommiers. Bon bah tout le monde a vu que j'avais des pommiers, ouais, mais vous avez pas vu comment ils sont stylés. Alors c'est pas grave. Voilà, vous avez vu, j'ai pas chômé. J'ai 23 têtes de Wither. Alors ça peut paraître énorme, mais en vrai, je vais pas tant farmer que ça pour les avoir. C'est juste que j'ai une cleaver qui est un peu pété. Elle fait souvent tomber les têtes. Et ça, c'est cool. Parce que, en fait, si vous voulez, l'avantage de cette arme-là, c'est que de base, elle a un bonus qui s'appelle le beheading. T'es bien vers tout droit, toi? Oui, c'est ça, vers tout droit. Flo, c'est vers tout droit. le beheading qui est un bonus de tête, en gros. Avec cette arme-là, de base, vous avez une chance, vous avez des chances supplémentaires de faire tomber des têtes. Voilà. Et comme j'ai mis de la log dessus, bah, y en a encore plus de la chance de faire tomber des têtes. Et là, je vais arriver chez Flo et me dire, oui, alors moi, j'en ai 1200, j'ai 300... Oula, il y a du mob à la tour, hein. Un petit peu. Il y a un chien qui fait waf waf dehors, j'espère que vous en profitez tous allègrement. À 21h23, il y a des chiens qui font waf waf, tout va bien. Tu peux aller faire waf waf ailleurs le chien. Donc, nous, on a combien t'as de têtes toi? Alors, sur moi j'en ai pris 3. D'accord. Et sinon, dans mon petit sac, j'en ai un stack et 7. D'accord, bon bah je vais laisser les miennes ici, elles servent à rien. Voilà. Voilà. C'est pour ça. Ouais. On a l'idée. Ah oui, d'accord. Dans l'idée, on a de quoi faire pas mal de Wither. Mais déjà, on va prendre de quoi en faire un pour test ce soir. Donc, je te laisse le faire. Mourir. Je te laisse tout prendre. Allez, je te laisse prendre tes quatre soul sand et tes 3 têtes. C'est parti. Je vois qu'il a été malin, qu'il a laissé ses outils sur place et qu'il s'est dit non, c'est pas une bonne idée. Je peux pas tout perdre. Garder que les armes. Faut pas trop déconner non plus. Alors du coup, tu veux le faire où? Plutôt Nether, plutôt Overworld? Oh, peu importe, on peut même le faire ici. Hein. Oh, bah, si tu veux, on lui fait une cage et on lui poutre sa race. Par contre, faut vraiment pas qu'il sorte, quoi. Oui. T'as des dalles ou un truc pour qu'on lui canarde la gueule? J'ai eu une espèce de Roland de je sais pas quoi là. Ah tiens, en fait, j'ai oublié de te donner. Hop. Hop. Et puis. Ah, elle se déstaque pas. Et bah, hop. Voilà. Ah, ok. Merci. Voilà. Clash. Alors, je sais pas ce que ça prend en prio. Tiens, on va tester. Ça prend en prio ça? Ou est-ce que ça prend les flèches qui sont à côté? Non, ça prend en prio les flèches Tinker et ensuite ça prendra les. Bon, c'est pas mal en fait. Est-ce que je peux la récupérer si je la lance? Oui, je la récupère. Bon, ça c'est cool. Par contre, je pense que si ça touche, c'est fini. Hein.
c'est ciao. Oui. Donc ouais, tout à l'heure je vous disais par rapport au short bow, le knockback s'illustre par un petit piston, parce que en fait il faut un piston pour le mettre dessus, et je trouvais ça super rigolo d'avoir un piston au bout de mon arc. Voilà. C'est con, mais c'est drôle. Est-ce que tu as besoin que je te fasse des dalles? Je te fais des dalles? Allez, je te fais des dalles? Ouais, je te fais. Si tu veux, oui. Tu veux que je te fasse le feu? Je te fais le feu. Référence de merde. Ok, tout va bien. Oui, c'est une référence à la tour Montparnasse infernale. C'est très très vieux. Il n'y a que moi que ça fait rire. Mais c'est pas grave. Oui. Du coton. Ah, t'as du coton. Oh là là, comment ils s'énervent trop, les connards, là-haut. Je vais aller leur faire un coucou. Salut, tous les connards. Oula! Oh là là, il y a du peuple, mon gars. Ça rigole pas. Ah oui. Ah, c'est le bonheur. Hein. C'est moi qui t'avais laissé un coffre pourri sur le côté, ou c'est quelqu'un qui t'en a ramené un autre? Un coffre pourri à côté. C'était oui, toi, parce que j'avais mis un coffre pour les loot, mais il me semblait que je l'avais enlevé. Mais après... Aïe, eh oh. Ouais. Il y avait un creeper. Ça y est, vous êtes un peu calmé? Il veut pas mourir, lui, là-bas dans le fond. Lui non plus. Allez, n'ayez pas peur. Bon, ils ont peur. C'est pas grave. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ramassé? Des armures? Ah oui, effectivement, c'est mon coffre à moi de la dernière fois. Mais... Bouf, eh. Les trucs pour Witchery, il y en connaît un qui va être... Encore deux têtes de Wither, ouais. Ouais. Et des nécrotiques, ça c'est très... C'est pratique, les nécrotiques bones. Du charbon, de la carotte, des lingots de fer. Tout ce qu'il faut pour faire un homme heureux et comblé. Rien que ça. Une carotte et du fer. Parfait. Tiens, j'ai eu un bag... Uncommon treasure. Qu'est-ce qu'on a eu dedans? Ah, des pièces de Tomcraft. Trucs qui servent à rien. Alors, je sais pas si les 6 têtes de zombies étaient déjà là. Ou si je les ai chopées dans le bag. Mais par contre, le petit diamant et le petit gold, ouais, je dis pas non. Il y a Yena et Mousse qui viennent de venir sur le serveur. Vous voyez comme quoi, on est quand même pas mal à être actif. Et... Il manque des dalles, non? Des dalles pour... Tu veux pas... Bah, pour qu'on se cache, histoire qu'ils nous défoncent pas. Je sais pas. Non. Je sais pas comment tu t'as prévu de faire, en fait. Bah, je sais pas non plus, en fait. Tu sais, parce que je suis un peu con. Non, bah, pour partir du moment où on peut se cacher derrière un pilier, je pense que c'est bon. Ah oui, de toute façon, il pourra pas sortir. Attends, ce que je vais faire, juste une minute, c'est que je vais passer sur TS, je vais enlever le push to talk juste le temps qu'on fasse le wizard, parce que c'est un peu compliqué de se battre et de rester sur le petit 2. Hop. Oui. Ah. Je suis dans un état, mes pauvres amis. C'est bien parce que je vous aime que je fais tout ça ce soir. Oui, ah. Avec ma voix suave. Ok, je suis chaude. Enfin, je suis chaude. Enfin, ouais, vas-y, je suis prête. Je te laisse mettre la dernière tête. C'est vrai? Tu me laisses cet honneur? Ouais. J'ai peur. De toute façon, ça met du temps avant de se lancer, non? Ça se lance pas immédiat. Oui, il faut le temps qu'il... Mmh. Ouais. Alors, faut reculer par contre, parce que l'explosion fait des dégâts. J'ai un peu peur. Je peux le dire? Je peux le redire encore? J'ai l'impression qu'il entend... Ah bah voilà, c'est très cool. Il est où cet enfoiré? Attends. Il vole! Ah ouais, mais du coup, je peux pas trop t'aider là. Ok, pourquoi pas. Pour aller plus haut! Je sens la mort venir. Tu veux pas descendre? Tu veux pas descendre? À la limite, peut-être il descendra avec toi, non? Ne te tue pas. Ah, je pense qu'il va fuir en fait. Tu penses? Là, je meurs. Je vais vous quitter. Ah, je le touche pas du tout. Oui, alors l'Overworld, ou voilà, c'était pas une si mauvaise idée. En fait. Et... Je le touche pas du tout. Je crois qu'il y a un mob qui est tombé de tes éoliennes en plus. Oui, il y avait un petit creeper. Il est où ce bâtard? Il est là. Il est en haut. Il s'attaque à la tour à mob, c'est pas si mal en fait. Ah, mais on lui a bien baissé la vie. On l'a bien baisé, oui, on l'a bien baisé. Oui, on l'a bien baisé la vie.
Je n'ai pas l'impression de le toucher du tout. Alors, on a dépassé le milieu de sa vie, donc il a l'effet reflet maintenant, donc on peut plus toucher avec les flèches. Ah oui, d'accord, bah c'est super. C'est très bien. Bah c'est cool alors. Bah si tu veux bien redescendre, monsieur, en fait. Ça serait gentil. Je vais essayer de trouver une potion de soin, parce que... T'as pris un peu cher dans ta gueule. Avec les canisters, t'as pris si cher que ça. Oh putain, vas-y, Poppy. Oui, avec l'effet withering, c'est... Par contre, je sais pas du tout où il est, là. Il est dans la tour, j'ai l'impression. Non, il est au-dessus. Ah, d'accord. Il envoie des têtes dans les airs. À qui? Et il est en train de rejeter. D'accord. Je sais pas. Ah bah, c'est parfait. Il shoot dans le vide. Bah, moi, j'ai pas d'ailes. Petite Poppy, si tu n'as pas d'ailes. Je peux te prêter les miennes, vu que toi, t'es full vie. Oui. Mais je sais pas me servir de tes ailes. Bah, t'as juste à les garder dans ton inventaire. Effectivement, ouais, il est en train de se régénérer comme un bâtard, là. Tu fais double saut et puis tu voles. Comment créer? J'ai peur. Ah non, t'as pas besoin d'avoir les ailes dans les mains. Hein. Ah bon? Ah, bah oui, prends bien ton arme, parce que sinon tu pourras pas le taper. Alors, peut-être pas à l'arc. Popito. Et c'est le GG! Je l'ai défoncé. Il m'a pas fait mal, hein. Il m'a enlevé que 3 coeurs. Oui. Avec les canisters, ça va. Par contre, les loot, je sais pas où ils sont. Hein. J'ai tout récupéré. Wouah! C'était trop épique, mon gars. Ah, y'a un cœur jaune là! C'est pour moi. Ah, j'ai pris. Tiens, je te rends ça. C'était très pratique. J'avais un petit peu peur de tout. Il a looté ça. Ouh, qu'est-ce que c'est? Division you must field. Perform activation ritual. Ah, oh, c'est pour tes rituels, ça. Exactement. Sneak right-click on an enchanting table for more details. Ok, bah ça... C'est ce que j'avais fait sur la petite île là-bas au fond. Ah, et tu peux le refaire? Non, tu peux pas le refaire. Je sais pas. On peut le refaire éventuellement, mais il n'y a aucun intérêt en fait de le faire plusieurs fois celui-là. Ouais, c'est plus pour le... C'est plus pour le spectacle, quoi. Mais... ah oui, par contre, il n'a pas été chercher mes autres stacks. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai un stack de 0 flèches. Je sais pas oui. Si... Toi aussi? J'aime beaucoup aussi. Oui, ouais, oui. C'est sympathique. Je trouve ça cool. Cool, c'est très cool. Il a pas du tout été chercher mes autres flèches, par contre. Je suis un peu deg. Enfin, je veux dire, alors, une fois qu'il avait si, fini ce stack, il a pas j'ai été... J'ai deux stacks, en fait, à 0. Et j'ai un stack à 2. Donc, je pense qu'il a, il les a quand même consommés, mais je comprends pas l'utilité, en fait, de les garder dans l'inventaire. La texture est buggée ou... C'est normal? C'est-à-dire? Ben, je sais pas, c'est... Ah, sur les barils? Oui, au-dessus des barils, c'est... Oui, c'est buggé, ça flotte dans les airs. C'est d'accord, ok, on est bien d'accord que c'est pas moi qui ai fumé, et que c'est... D'accord, oui. Tout va bien. Bon, bah du coup, on pourra défaire ce truc moche qui sert à rien, du coup, quand oui. il explose. Je pense que hors je l'ai fait un peu trop petit, en fait. Non, mais sinon, dans l'idée, on pourra refaire la même chose, mais peut-être faire une cage plus grosse autour, tu vois? Au cas où. Oui. Tu vois? Oui. Par contre, on fera peut-être pas chez toi. OMG. C'est des petites quintes de tout, ça va, mais OMG quand même. Donc voilà, du coup, bah, t'as récupéré Nether Star et compagnie, ça va? C'est tombé? Oui, oui, j'ai ok, j'ai ça c'est Nether cool. Star, ouais. Donc du coup, on va pouvoir faire des trucs sympas avec les Nether Star. Entre autres, qu'est-ce qu'on fait avec les Nether Star, Flo? On fait? Les ailes que j'ai dans le dos. Ah et des ouais. Bacon aussi. Et des bacon. Et des bacon. Du bacon. On peut faire du bacon. On peut faire du bacon. On fait du bacon avec des Nether Star. Waouh, truc de fou. Non mais j'avoue, ça va être bien pratique. Ça va être cool. Voilà, donc nous dans l'idée, bah, ce qu'on voulait vous montrer, c'était un peu ça. Peut-être que dans le prochain épisode, peut-être que Flo il aura envie de vous montrer des trucs, j'en sais rien. Peut-être qu'il voudra vous montrer comment il fait ses ailes justement. On verra ça. Nous en attendant, ce qu'on va faire, c'est que bah on va passer, je pense, la semaine un peu à farmer des withers et puis on va se fight. Mais finalement, c'était pas ça va, il nous a pas mis si cher que ça. Ouais. Le stuff a pris un peu dans la tronche au niveau des armures, au niveau des armes, ça va, rien perdu du tout. Les flèches, finalement, je suis pas trop sûr que les flèches Tinker soient vraiment indispensables, mais par contre, le lifestyle sur la cleaver est vraiment cool. Ça, c'est très très cool. Au niveau des flèches, j'ai l'impression quand même qu'on a fait pas mal de dégâts, on est vite arrivé au milieu de sa vie. Ouais, on est vite arrivé au milieu de sa vie, alors ça, je pense que c'est...
plus le Fiery que le Lifesteal sur les flèches. Je suis pas trop sûr que le Lifesteal sur les flèches soit très utile avec le Wither. Je pense que ça peut être utile peut-être en PVP, quand tu sais, quand t'es en fight et que t'as besoin de, entre guillemets, de temporiser, tu recules, tu balances 2-3 flèches pour récupérer de la vie sur un ennemi, tu vois, puis tu repars au cac. Ça peut être utile. Je pense que ça peut trouver son utilité sans souci du lifesteal sur des flèches. Mais après, là, en, si tu veux, en opening sur le mob, en PVE, je suis pas persuadé de l'intérêt du lifesteal. Mais enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'on se retrouve dans le prochain épisode où j'aurai plus cette voix de garçon et qu'on aura plus l'impression que j'ai fumé 8 paquets de clopes ce matin au petit-déj. Et puis nous on vous fait plein de les bisous. Et on vous dit au prochain épisode. Et je suppose qu'il y aura Flo, il y aura peut-être pas Flo, il y aura peut-être Flo. Qui sait? Peut-être pas, on sait pas. Peut-être, peut-être pas. Dans tous les cas, j'essaierai de faire des épisodes assez réguliers avec les copains parce que c'est plus rigolo à plusieurs. Voilà. Donc nous, on fait les poutous. On vous dit au prochain épisode de FETT, et puis sinon vous pouvez nous trouver sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, tu cherches un peu, tu trouves, y'a pas de soucis. Voilà. Et ciao! Au revoir. Au revoir.